Petite fille, petit garçon, donnez-moi la main. Chut. Entrons sur la pointe des pieds dans ce beau livre d'images. Là, ouvrons doucement la porte des rêves. Avançons sans bruit et regardons. Que voyez-vous? Une belle jeune fille blonde comme un rayon de miel. Son teint est frais comme l'aurore. Elle dort paisiblement, une rose serrée sur son corsage. Elle dort depuis de longues années. Elle est la belle au bois dormant. Et ni vous ni moi, pour l'heure, n'avons le droit de l'éveiller. Vous allez connaître son histoire, qui commence, comme tous les contes de fées, par... Il était une fois... Il était une fois, il y a fort longtemps, un roi bon et juste qui se nommait Stéphane et qui vivait avec sa douce épouse, la reine Béatrice, dans un grand château de pierres bleues et roses. Leur plus cher désir était d'avoir un enfant et un jour, leur souhait fut accompli. Une adorable petite fille naquit dans le grand château lumineux. La petite princesse était si radieuse et si fraîche qu'ils lui donnèrent le ravissant prénom d'Aurore. Alors, dans tout le royaume, les cloches se mirent à sonner. Les prés et les collines se couvrirent de fleurs et tous les habitants du royaume se parèrent de leurs plus beaux atours pour assister au baptême de la petite princesse. Au pied du château, orné de bannières multicolores et d'oriflammes, ils chantaient en chœur leur liesse et leur joie. Pendant ce temps, dans la grande salle du trône, autour du berceau précieux de la petite princesse, le roi et la reine accueillaient leurs amis. Parmi eux se trouvait le bon roi Hubert, souverain d'un petit royaume voisin. C'était un roi jovial. Il avait le teint rubicon et portait une belle moustache blanche qui lui barrait le visage d'une oreille à l'autre. Dieu soit loué, Stéphane. Notre rêve va pouvoir enfin se réaliser. Le petit prince Philippe, mon fils, aura plus tard une épouse. Et nos deux royaumes seront réunis. À peine le roi eut-il parlé, qu'apparurent dans un rayon doré de soleil trois petites bulles colorées. Les bulles éclatèrent avec un bruit léger et cristallin, et devant l'assistance émerveillée, le grand chambellan annonça « Les fées ! » Qu'elles étaient mignonnes, ces trois fées. Elles ne ressemblaient pas du tout aux fées que vous imaginez habituellement. Toutes petites, à peine plus grosses que des théières de porcelaine, rondelettes, elles agitaient leurs petites ailes transparentes. Elles voltaient autour du berceau de la princesse Aurore en répandant du bout de leurs baguettes des milliers de petites étoiles roses, bleues, vertes qui venaient s'éteindre sur les dalles de la grande salle du trône. Chacune des fées portait un nom. La première, de bleu vêtu, se nommait Bénévole. La seconde, toute rose, s'appelait Jouvence. La troisième, en mitouflée dans sa robe verte,
était Sapiens. La fée Jouvence prit alors la parole. Majesté, chacune de nous, penchée sur le berceau de la princesse Aurore, a le droit d'exprimer un seul vœu. Douce petite princesse, je te fais le don de la beauté. Tes cheveux auront l'éclat de l'or au soleil, tes lèvres la fraîcheur des pétales de rose, et tu répandras la joie et le printemps partout où tu iras. Ce disant, elle agita sa baguette magique, saupoudra le berceau royal d'une pluie d'étoiles bleues. Ce fut alors le tour de Sapiens. Petite princesse, tu auras en partage la sagesse, la bonté et l'intelligence. Telle la mésange, tu chanteras d'une voix douce et mélodieuse tout au long de ta vie. La troisième petite fée, celle qui se nommait Bénévole, s'approcha à son tour. Mais elle n'eut pas le temps d'exprimer son vœu. On entendit soudain un fracas effroyable. Un éclair jaillit au centre de la grande salle du trône et devant l'assemblée consternée apparut la terrifiante Maléfice, la fée du mal. Bien que je n'ai pas été conviée à ces réjouissances, je vais aussi faire un don à cet enfant. Écoutez, écoutez tous! La princesse grandira belle et gracieuse jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais le jour de son 16e anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se percera le doigt au fuseau d'un rouet et sa vie s'arrêtera. De leur lance, les gardes tentèrent de lui barrer la route, mais hélas, Maléfice s'enfuit comme elle était venue, dans le fracas de la foudre et un nuage de fumée noire. Chère Béatrice, cher Stéphane, voilà un bien méchant vœu, mais ne soyez pas trop accablés, car il y a un moyen de conjurer ce mauvais sort. Ordonnez sur le champ que tous les rouets disparaissent du royaume, qu'ils soient détruits et brûlés. Quant à moi, si je ne puis annuler le vœu de Maléfice, je peux au moins l'atténuer. Car souvenez-vous, Majesté, que je n'ai pas encore gratifié la petite princesse de mon don. Aurore, merveilleuse petite Aurore, à 16 ans, si le vœu de Maléfice se réalise, tu ne cesseras pas de vivre, mais tu tomberas dans un profond sommeil. D'où seul un vrai baiser d'amour pourra te tirer. Peu à peu, la fête cessa. Dans la grande salle du trône, seules les trois fées restèrent à deviser. Non, non, mes amis, non. Brûler les quenouilles et les rouets n'est pas suffisant. Il nous faut trouver un autre moyen plus efficace pour protéger Aurore de la terrible Maléfice. Chut, silence. On pourrait nous épier. Le corbeau de Maléfice vole toujours près des fenêtres. J'ai une idée. Faisons-nous toutes petites et allons nous réfugier dans cette boîte à bijoux. Nous sommes en sûreté pour méditer. J'ai trouvé. Nous allons nous réfugier en pleine forêt, dans la cabane abandonnée du bûcheron. Nous y élèverons nous-mêmes notre filleule, comme une petite paysanne. Nous lui changerons son nom. Nous l'appellerons... Églantine. D'un coup de baguette, nous transformerons la cabane... Non, 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 mes amis, non, non. Plus de magie. Pour tromper Maléfice, nous serons aussi des paysannes sans baguette. Et nous ferons la cuisine, le ménage, comme de vraies paysannes. Mais jamais nous ne pourrons. Si, si, nous le pourrons aussi. Et pendant 16 années, nous serons trois marraines soucieuses seulement de leur filleule. Allons, allons, dernier coup de baguette. Nous voici vêtus comme de simples mortels. En route maintenant, allons convaincre la reine et le roi et leur demander la princesse Aurore. Tu veux dire Églantine?
Et c'est ainsi que pendant 16 années, loin de son château royal, ignorant tout de sa naissance, Églantine grandit dans les bois, au milieu des arbres, des fleurs, des écureuils, des lapins, des oiseaux et des sources. Elle chantait tout le jour et bavardait souvent avec tous les hôtes de la forêt, ses amis. Bonjour, mes petits amis. Oh, et toi, grand père Hibou, tu es même venu en plein jour me dire bonjour pour mes 16 ans. Mais oui, aujourd'hui est mon 16e anniversaire. Je suis une jeune fille et je me sens si seule. Certes, mes marraines sont adorables, mais elles me traitent comme une enfant. Mais je rêve d'un beau jeune homme, fort et tendre, qui me prendrait dans ses bras. Souvent, je l'aperçois en songe. Dans la forêt, ce même jour, le prince Philippe, qui avait maintenant 19 ans, se promenait par les sentiers, monté sur son fidèle cheval Samson. Samson, entends-tu ce joli chant? Au ciel, quelle voix harmonieuse! Allons vite, allons voir qui chante si bien. Allons, paresseux, conduis-moi vite de ce côté-ci. Tu auras une belle botte de carottes. Oh là, Samson, prends garde au ruisseau! Me voilà trempé. Bon. Arrêtons un moment pendant que je ferai sécher ma cape, mes bottes et mon chapeau. J'irai à pied guidé par ce chant. Tous les petits animaux amis d'Églantine qui avaient assisté à cette scène décidèrent de faire une surprise à leur grande amie. Les oiseaux s'emparèrent de la cape et du chapeau, les écureuils et les lapins s'engouffrèrent dans les bottes. Ils rassemblèrent le tout en un personnage qui ressemblait au prince et déboulèrent dans la clairière où chantait Églantine. Oh, mes amis, que vous êtes attentifs à ma solitude. Bonjour, prince. Voulez-vous danser avec moi? Eh bien, danse! Quand le prince parvint à la clairière, il vit la scène la plus charmante que ses yeux aient jamais contemplée. Sa grande cape rouge, portée par les oiseaux, flottait au vent et enfermait la délicieuse Églantine qui virevoltait avec elle. Laissez cette cape, jolie jeune fille, et permettez-moi de vous faire danser. Je vous connais. Vous êtes telle que je vous vois en rêve chaque nuit. Je vous connais aussi. J'ai déjà vu vos yeux dans le miroir de mes songes. Et vous, après qui je...
Dites-moi votre nom. Où habitez-vous? Je m'appelle... Non. Non, non, je n'ai pas le droit. Adieu. Il faut que je m'en aille. Attendez, attendez. Quand vous reverrai-je? Jamais. Jamais. Mais ma reine me l'interdit. Oh, je vous supplie de me revoir. Quand? Eh bien, ce soir, dans la chaumière du bûcheron, au cœur de la forêt. Dans la chaumière, Sapience, Jouvence et Bénévole préparaient l'anniversaire d'Églantine. Avant la nuit, elles devaient conduire leur filleule au château où une grande fête les attendait. Ce soir, Églantine aurait la révélation de sa naissance. Le roi et la reine attendaient leur fille, la princesse Aurore. La malédiction de la méchante maléfice semblait oubliée. Les trois petites fées décidèrent de reprendre leur baguette magique pour préparer la robe de la princesse et son gâteau d'anniversaire. Depuis 16 ans qu'elles n'avaient pas touché à leur baguette, elles étaient devenues bien malhabiles. D'un coup de baguette, Bénévole fit apparaître une ravissante robe bleue, sa couleur favorite. Ah non, non, pas bleue! Aujourd'hui, cette robe sera rose. N'est-elle pas plus jolie ainsi? Non, elle sera bleue comme les yeux de la princesse. Voilà, rose comme ses lèvres, bleue comme la source limpide, rose comme le ciel à l'aurore. Pluie d'étoiles bleues, pluie d'étoiles roses, puis bleue, puis rose. Hélas, tous ces petits nuages d'étoiles fuyaient par la cheminée et éclairaient le ciel de la forêt. Et c'est à cause d'eux que le vilain corbeau de la reine Maléfice, qui cherchait la princesse depuis 16 ans, découvrit la cachette. Il se posa sur le bord de la fenêtre, tandis qu'Églantine revenait en chantant de la forêt. Dans la forêt, le jeune homme de mes rêves. Et il viendra ce soir nous rendre visite, ici. Ce soir? Mais mon enfant, c'est impossible. Il faut oublier ce jeune homme, car tu es fiancée. Oui, nous te l'avons caché jusqu'à ce jour, mais tu es une princesse. Ton nom est Aurore. Et nous te conduirons ce soir vers tes parents, le roi Stéphane et la reine Béatrice, qui t'attendent dans leur beau château, pour te présenter au prince Philippe, ton fiancé. Mon fiancé? Mais silence, vous deux! Ne voyez-vous pas que vous brisez le cœur de cet enfant? Oh, viens, ma petite Aurore. Sois patiente. Tout s'arrangera. Pendant que Sapience consolait la princesse, le méchant corbeau volait à tire-d'aile porter la nouvelle de sa découverte au château des Brumes, où la fée Maléfice, entourée de ses bêtes monstrueuses, attendait. Au château du roi Stéphane, cependant, la fête battait son plein. Un toast à la nuit. Nos jours seront roses. L'avenir s'annonce bien. Ces enfants vont faire dans de royaumes vassals. Trinque! Trinque! Le roi Hubert attendait son fils, le prince Philippe, pour lui présenter sa fiancée. Le prince Philippe arriva joyeux et annonça à son père qu'il avait rencontré la jeune fille de ses rêves et qu'il irait la rejoindre le soir même. Le pauvre roi Hubert était désespéré. Le prince Philippe refusa de rencontrer Aurore, sa fiancée promise. Il ignorait qu'Aurore et la jeune fille Églantine étaient la même personne. Avant la tombée de la nuit, Aurore, vêtue de sa jolie robe, mi-bleue, mi-rose, arriva au château, escortée de ses marraines. Elle était triste et monta sans tarder dans sa chambre pour s'y enfermer et assouvir son chagrin. Elle ne parvenait pas à oublier le beau jeune homme de ses rêves qu'elle avait aperçu dans la forêt. Elle aussi ignorait que lui et le prince Philippe n'étaient qu'un même personnage. Tandis qu'elle pleurait dans sa chambre, perçut une musique qui venait de la cheminée. Elle s'en approcha
éclairée par une boule de feu qui sépara la cheminée en deux parties et lui ouvrit un chemin. Elle entendit une voix qui l'appelait. C'était la fée Maléfice qui accomplissait sa prédiction. Aurore vit se dresser devant elle un grand escalier qu'elle monta lentement. Elle aboutit à une salle immense où tournait un rouet. Aurore n'entendait plus les voix des petites fées, ses marraines, qui couraient après elle et la suppliaient de les attendre, de ne pas toucher au rouet et à la quenouille. Elle s'en approcha, fascinée, et se piqua le doigt. Aussitôt, elle tomba sur les dalles froides du sol et s'endormit d'un très profond sommeil. Oh, mes amis, l'affreuse prédiction de Maléfice s'est accomplie. Qu'allons-nous faire maintenant? Tout le château est en liesse, le roi, la reine attendent leur enfant. Que faire? Que faire? J'ai entendu tout à l'heure le roi Hubert se lamenter seul, car son fils, le prince Philippe, ne veut épouser nulle autre jeune fille que celle qu'il a rencontrée ce matin dans la forêt. Il ignore que cette jeune fille est la princesse Aurore. Si nous pouvions ramener le prince Philippe, ta prédiction se réaliserait, bénévole. Car Aurore aime Philippe, sans le savoir. Et elle serait éveillée de son sommeil par son premier baiser d'amour. Il doit venir la retrouver à la chaumière dans la forêt ce soir. Nous y serons. Mais auparavant, transportons la princesse dans sa chambre. Nous y conduirons le prince pendant la nuit. Oh, j'ai une idée. Et si nous endormions tout le château du même sommeil que celui de notre belle princesse, pour ne l'éveiller qu'au moment où elle-même reprendra vie? Le roi et la reine n'auraient pas de chagrin et personne ne serait alerté. Nous pourrions agir en toute quiétude. Oh, merveilleuse idée! Vite, de la poudre de sommeil au bout de nos baguettes. De la poudre bleue. De la poudre rouge. De la bleue. De la rouge. Peu à peu, tout le château, tout le village sombrèrent dans un profond sommeil et tinrent compagnie à la belle au bois dormant qui reposait sur son lit de satin blanc, une rose épanouie serrée sur son corsage. À tire d'aile, les trois petites fées se hâtèrent après ce travail vers la chaumière dans la forêt, où le prince Philippe croyait retrouver celle qu'il aimait. Hélas, sitôt parvenues à la chaumière, elles comprirent que la méchante Maléfice les avait devancées une fois de plus. Prévenue par son messager, le noir corbeau, Maléfice s'y était rendue et s'était emparée du prince, grâce à l'un de ses sortilèges. Tu seras enfermé dans mon château pendant 100 années, beau prince Philippe. Et lorsque tu seras devenu vieux et faible, je te libérerai afin que tu ailles donner son premier baiser à la belle au bois dormant. Que dites-vous? Mais que je fais? Je ne connais pas de belle au bois dormant. Rendez-moi ma liberté! Les petites fées, sans hésiter, se portèrent au secours du prince Philippe, qui était prisonnier dans le donjon du château des Brumes. Elles lui dirent qui était Églantine, où elle se trouvait maintenant et ce qu'il devait faire. Mais comment s'échapper? Les monstres de Maléfice gardaient le château et Philippe était enfermé dans le donjon. Gentille petite fée,
Rendez-moi la liberté, puis donnez-moi une arme, et je vous promets que je viendrai à bout de Maléfice. Je retrouverai la Belle au Bois Dormant, et j'ai tant d'amour pour elle que mon premier baiser sera bien l'éveillé. Pour ma part, je t'offre pour te protéger au combat un bouclier que nulle lance ne pourra percer. C'est le bouclier de vertu. Au ciel, qu'il est léger, et pourtant qu'il me paraît fort. Moi, j'arme ton bras d'une épée que nul coup ne pourra briser. C'est l'épée de vérité. Merci. Oh, merci, mes bonnes fées. Moi, je brise tes chaînes. J'ouvre la porte du donjon et je te rends ton fidèle cheval Samson. Adieu, cher Philippe. Nous ne pouvons plus rien pour toi maintenant. Le sort de ta bien-aimée est entre tes mains. Vole vers elle et que le ciel te protège. Le prince Philippe se lança au grand galop à travers les sombres couloirs du château. Des monstres grimaçants tentèrent de lui barrer la route, et son courage et sa force en eurent raison. De sa large épée, il fendait les portes, abattait les obstacles. Samson bondissait à travers les vastes salles vers le pont-levis. Maléfice, qui tentait de lui couper la route, donna l'ordre de lever le pont, alors que Philippe l'atteignait. Philippe se pencha sur sa monture, et le fidèle Samson, sans hésiter, tel un cheval ailé, franchit d'un bond le terrible précipice. Courage, mon fidèle compagnon. Allons d'une traite vers le château de la Belle au Bois Dormant. Tu n'y atteindras pas, Philippe. Je dresserai des buissons de fer sur ta route. Je les abattrai avec mon épée comme ceci. Et comme ceci. Je t'entourerai de cercles de flammes. Je les franchirai. Saute, Samson. Encore. Un autre. Hop. Et un autre. Saute. Puisque tu m'y obliges, prince intrépide, je vais quitter ma forme humaine. Et pour te barrer la route du château dans la princesse, me voici devenu dragon immense, crachant feu et câble. Tu me vinces cet aspect, alors s'en sera fini de moi. Non, Samson! Non, ne recule pas. Allons droit sur ce monstre. Mon bouclier nous protège de ses flammes et je planterai mon épée jusqu'au fond de ses entrailles. Le combat fut terrible. Une fois sans exemple animait le prince Philippe. Il vint si près du dragon pour l'abattre de son épée que des flammes léchèrent ses vêtements et sa queue. Mais le monstre périt, et avec lui la méchante Maléfice. Alors, dans un dernier galop, Philippe atteignit le château bleu et silencieux. Dans la cour où les gardes dormaient appuyés sur leurs lances, Philippe mit pied à terre. Les trois petites fées apparurent et guidèrent le prince vers la chambre de satin où Aurore reposait. Philippe y pénétra avec d'infinies précautions. Dieu soit loué, c'est elle. C'est la princesse de mes rêves. Que ce baiser tendre et pur, Aurore, je te donne avec tout mon amour t'éveille de ce long sommeil où tu es perdu. Mon prince,
prince qui me tend les bras. Je ne rêve plus. Allô, allô, pressons. Il faut réveiller le château, puis le village. Il faut rallumer les lumières, il faut que la musique joue, que les invités chantent. La princesse Aurore épouse le prince Philippe. Sa robe sera merveilleuse, toute pailletée d'étoiles bleues, toute rutilante de pétales roses. D'étoiles bleues, de pétales roses. D'étoiles bleues, de pétales roses. Ainsi prend fin, chers petits amis, le joli conte de la Belle au bois dormant. Le moment est venu de fermer votre beau livre d'images. Mais avant, il vous faut savoir que la princesse et le prince furent longtemps très heureux dans leur beau château rose et bleu, et qu'ils eurent beaucoup, beaucoup de beaux petits-enfants.